Au palais royal à Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé la cérémonie de présentation du modèle de la voiture du premier constructeur marocain et du prototype d'un véhicule à hydrogène développé par un Marocain. Deux projets novateurs qui permettront de renforcer la promotion du label Made in Morocco et de conforter la place du royaume comme une plateforme compétitive de la production automobile. La présentation à Sa Majesté le roi de la voiture de Neo Motors, une société détenue par des capitaux marocains, et du prototype d'un véhicule à hydrogène de la société Namix, nommé HUV, Hydrogen Utility Vehicle, souligne la volonté du souverain d'encourager et de promouvoir les initiatives entrepreneuriales nationales pionnières et les capacités créatives, particulièrement de la jeunesse marocaine, que ces projets incarnent. Ces deux initiatives industrielles s'inscrivent en droite ligne des hautes orientations royales visant à orienter le secteur privé vers l'investissement productif, notamment dans les filières de pointe et d'avenir, et à stimuler l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises dans le royaume. Elles viennent également consacrer la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi en matière de développement durable et de promotion des énergies renouvelables, particulièrement la filière émergente de l'hydrogène vert. Le prototype du véhicule à hydrogène de la société Namix a été conçu en collaboration avec le bureau de design et carrosserie italien de référence Pininfarina. Le design intérieur du véhicule a été réalisé par des talents marocains. Le modèle HUV sera alimenté en hydrogène par un réservoir central qui viendront compléter 6 capsules amovibles permettant de garantir une autonomie importante et de faciliter la recharge hydrogène en quelques minutes. Ce projet inscrit résolument le Maroc dans la dynamique à l'œuvre au niveau mondial, consistant à développer de nouvelles formes de transport alliant efficacité et respect de l'environnement. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a décoré du Wissam El Kafa Al Fikria Nassim Belkhiat, fondateur, président, directeur général de la société Neo Motors, et Fawzi Najah, président et fondateur de la société Namix. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour.